Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Into the Breach. On va donc continuer notre team Frozen Titans. Je ne sais plus le nom exact, mais c'est pas grave. Donc oui, on va continuer et cette fois on va essayer de faire les 4 îles. Normalement on va être parti pour une petite heure de jeu. Parce qu'après il sera midi et voilà. Je vais certainement manger un moment. Ok, oh, c'est là, yo, oh. Excusez-moi, oui, il y a 11 heures, je suis fatigué, je pense qu'on va aller voir Mami Nova, je préférais que, ouais, les maps soient boostées quand ils sont pas trop, ouh, on sent Mami Nova, ça c'est bien, et ça c'est bien, et ça c'est bien, 1, 2, 3, ouh, Cataclysme? Wow. Alors, détruire deux montagnes et tuer sept ennemis. Ils ont déjà l'air bien badass. Voyons voir. Voyons voir. Soyons lucides et tout se passera bien. Time to make a move. Lui, il a été pas lucide. Oui, c'est dommage. Lui, c'est dommage. Parce que là, ouais, c'est chiant qu'il tape parce que lui, il tomberait et ça nous mettrait bien, mais. Mais je pourrais le tuer, mais c'est lui qui me dérange. On peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Ah, mais ça fait un de dégâts soi-même. Je pourrais genre faire ça, quoi. Du coup, débloquer la situation pour lui. Mais un dégât. Sinon. Ah non, je peux pas. Je peux pas, je serais pas aligné. Ah, c'est dommage, s'il avait été là, le truc. Pas déçu. Putain, c'est con. J'ai vraiment l'impression d'être stuck. Lui fait 2 dégâts, 2 dégâts c'est beaucoup. Lui il fait 5 de dégâts, bon là c'est même plus beaucoup, là c'est le foutage de gueule, mais. Est-ce que je pourrais freeze là? C'est vraiment une situation de merde. Hein. Je pense que le seul move c'est ça, c'est se faire un dégât. Comme ça, lui, il peut aller taper le gars là qui. Faut pas que j'oublie que j'ai des. C'est con que je puisse pas passer derrière l'un ou l'autre. On peut faire ça, ça fait un dégât sur une montagne, non? Oh, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais il n'est pas forcément mieux. On sait jamais, au pire, c'est peut-être un moment ça fera des dégâts, quoi. Je sais pas. D'ailleurs, j'avais oublié que lui, il se mettait un shield après avoir tapé. C'est intéressant. Oh. Oh. Oh baby, oh baby, oh baby, oh. Oh, je peux pas mettre là, c'est con. Ça aurait été rigolo. Ça aurait été très la rigolade.
Lui, il peut crever derrière. C'est lui qui pose problème a priori. Et aussi d'ailleurs. Je peux le bouger là. Bah derrière avec lui, il faut que j'empêche lui. Mais là, lui, il va poser problème aussi. Sinon, je fais. Oh, non, mais je peux pas l'atteindre. Ah si. Je pensais aller ici, prendre celui-là, le décaler, comme ça il fait un 360, il va taper là à la place. Et du coup il va faire masse dégâts. Et derrière, avec lui, je freeze ce gars-là. Et ouais. Ça me semble être une bonne idée, et lui, je peux à la rigueur... Il y a rien fou, rien faire. Ouais, c'est un peu de la merde. Le problème, c'est lui là, et c'est chiant. Il faut tout le temps constamment qu'il soit entre deux. Là, c'est des configurations qui sont vraiment trop trop chiantes pour moi, quoi. Parce que j'ai les ennemis au centre, et puis j'ai plein de maisons dans le fond, et du coup, bah. Pas forcément tout le temps faire un coup. Putain, ouais, non, mais je vais forcément prendre un dégât là. Je vais là. Je retourne. Il tape lui. Derrière lui, il freeze ce gars là. Et lui, il servirait à moitié à rien. Parce qu'il peut pas taper là, sinon il fait un dégât là. Donc au final, ça sauve rien. Chier. Est-ce que j'ai le choix? Ça m'étonnerait. That's nice. That's nice. That's nice. Pardon. Ouais, bah on va descendre à 3 d'armor grid. Va falloir dépenser du pognon pour récupérer. On va essayer de le mettre là, voir qu'est-ce qu'il. Non mais on va le mettre là et puis on va tirer là. Ça nous fait 1. En vrai, on n'a pas masse tour non plus, puis là elles sont chiantes à aller chercher. Bon bah on perd 1. Oh la régène, pourquoi la régène? Être ou ne pas être la régène? Moi si je fais ça il en meurt. Là lui je peux le défoncer. Un jour, si je fais ça, il crève. Ah non. Voici. Ça me fait 2 ennemis. Et il faut que je fasse. Que je pète. Oh, 4, 5, 6, 7. Faut que j'en tue encore 3. Donc les 3 qui arrivent, faut que je les tue. Oh ma bite. Oh, je réalisais pas en fait que c'était la merde. pas des gros. Putain, faut que j'en tue 3. Putain, je suis tellement baisé. Ouais, je peux le tuer là. Je pourrais pas en tuer 3. Je peux pas pousser en fait. Et c'est ce qui m'aurait permis de pousser ce gars-là dans l'eau pour le dire de le one-shot. Parce que
que là, lui, je peux rien faire. Et bah, je suis baisaï, j'ai envie de vous dire. Ah, il fait que un dégât, lui! Ah oh bah fuck, hein. Ouais, bah ouais, c'est full perdu. Ah, genre, ça va. Ma vie, c'est de la merde. Oh, ma vie, c'est de la merde. Cette partie me saoule déjà. Rien à battre, ça m'a saoulé. Ça m'a juste full saoulé quoi. Ça se passe tellement mal. Ça rembourse même pas les dégâts qu'on a subis quoi. Et du coup on a pas 100%, ça me casse les couilles, on dirait ça. Protect the call, kill 7 enemies, il y a une storm, du coup ça devrait le faire. Do not kill, double kill back. C'est chiant. Puis il me faut de l'énergie en vrai, donc on fera mais après. Oh, ça m'a saoulé, putain, ça m'a saoulé de perdre comme ça des putain de la vie juste au pif quoi, putain. Lui, il a un point de vie, lui il a ça. Parfait. Par contre, du coup, j'ai pas eu de spawn. J'aurais peut-être pas dû. Un, deux, trois, et lui, il va mourir. Là, ça va taper dans le truc, ou c'est bien. Et on va faire ça pour dire de créer de la smoke. On s'en fout. Et là on va avoir un mort, on sera à 3, il nous en faut encore 4, 1, 2, 3 qui vont spawn. On va dire que c'est gérable. Lui ça va, il a peu de vie. Parfait. Soit je descends et je vais taper lui, soit je vais là, je fais des trucs, mais je sais pas, moi je suis un petit peu perdu, je t'avoue. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Nora? C'est ça la question, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je vais checker un truc vite fait. As done, ok. Ou alors je vais là, je me freeze. Comme ça, ça fait un dégât en plus. Ouais, mais ça ferait toujours que deux, c'est de la merde. Ou si je repousse, il me casse plus les couilles.
On va faire ça. On va faire ça. Ah ouais, mais si je fais ça, c'est dangereux. Allez, YOLO. YOLO. Ok. Il revient. On bloque encore parce que là, il faut qu'on en tue encore deux et il y a déjà lui qui est là, qui va mourir. Donc plus que un. Pas besoin de trop de mobs. C'est comme une boule flipper. Qui roule. Okay. Surely we can find a better way to block these creatures than with our max. Ah, l'expérience qui fait dire à notre bon ami. On est en train de faire du caca. Non, c'est pas forcément plus intelligent. il était là, lui il était là. Et lui il visait là-bas. Si je le décale, pour lui faire des dégâts derrière, oui, il faut que je trouve un gros coup de taper, mais là je peux pas. Je sais pas. Parce que lui il a pas la mobilité pour aller trop loin. Et lui il va devoir bloquer là. Et je peux pas aller jusque là-bas pour dire de prendre les dégâts à la place. Je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas trop. J'ai pas touché. Ouais. Du coup je m'amuse avec mon stylo. Réfléchissons deux secondes. Faut que je tue celui qui a 3 HP. Pour ça, il faut que je l'utilise deux mecs parce que. Ouais, et puis j'ai rien pour repousser. Lui, il peut pas repousser, il peut juste tourner le. Ah mais non, tu me diras. Si lui fait ça. Ensuite il va là. Il va se prendre le coup à la place. Du coup lui j'ai plus qu'à faire. Tu viens là, tu tapes. Ah merde. Ah merde. Ah merde. And the move. Et là, hop, Nora, freeze. Et voilà. Et là on a protégé le truc. Oh putain. Il y avait solution. Il y avait des solutions. En tout cas, il y en avait au moins une. Perfect victory. Ouais, enfin, allez dire ça aux 200 gars qui sont morts dans la note d'avant. Ces morts resteront gravés dans ma mémoire. Protect the clinic. On pourrait prendre celui-là parce que j'ai besoin de pognon quand même. Et le volatile Vec, bah on s'en fout, on le freeze et puis voilà quoi, il est out. Voilà, c'est typiquement le genre de map, c'est de la merde pour la double peine. C'est bizarre à dire. Mais ouais, parce qu'il y a des bâtiments dans le fond et du coup c'est juste trop chiant pour moi. Oui, il y a un coup de génie à faire. Toi, t'es mort. GG à toi. Nora. Ouais, ouais. Elle freeze celui-là. Derrière lui. Ah, il peut aller jusque-là, du coup, je pourrais quand même tuer celui-là. J'accepte. Comment ça se fait que j'ai autant de moves? J'ai 5 de moves. Damn! I'm so strong. Est-ce que je voulais libérer Nora de sa prison de glace?
avec... T'as 4 spawns d'un coup, c'est plutôt un peu. Hein. J'ai pas trop vos méthodes. Du coup, tu vas bloquer un spawn. Et lui, ben, il peut que bloquer un spawn aussi. Du coup, on se retrouve avec 2. Ça va, ils sont bien. C'est un peu chaud. Ouais, fais ça, ouais. Si je fais ça, juste il crève. Je pense qu'on va faire ça. Là-bas, je peux le freeze à vie. Ça me fera 3 mobs à gérer. Avec 2 mecs seulement, par contre. Mais bon, là, c'est pas mal bloqué à droite. Peut-être qu'ils vont essayer de libérer leurs potes. Ouais, voilà. Il va rester à droite. Donc c'est pas trop un souci. D'ailleurs pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave, on va prendre qu'un dégât. Ouais. Easy. Allez, freeze le volatile vec, c'est vraiment génial quoi. That's the spirit, nous dit Maminova. Merci Maminova. In battle with less than 4 damage, protect the whole hearth bar. D'accord. Oh, il y a des trous, des petits trous. Il y a plein de cases de désert. C'est pas mal. Cleasm. Non, je crois qu'on va aller là parce que bah... Ouais. Il y a des trous et il y a des zones de désert. Ça va devenir un enfer pour les mobs. On va voir. Un pod, et bah oui, c'était le bon move, évidemment. Quoi? Hein? Allô? Allô maman, bobo? Maman, comment tu m'as fait? Je suis pas beau? What the fuck? D'accord, ils vont spawner que par le trou en fait. C'est ça qu'il me dit. Oh non, mais non, mais moi je comptais faire tomber celui-là dans un trou, comment je fais maintenant? Comment je fais ma bonne dame? Bah oui, je vais dans le freeze. Dans le freeze ma bonne dame, mais le freeze ça me casse les couilles. J'en ai marre, j'en ai marre. Ah, ça me casse les couilles, quoi. Ça me casse les couilles, les bâtiments, ils sont vraiment placés comme le cul, quoi. Oh là là. Ah! Non, un moment, les gars, oh! Ça me saoule. La musique. Oui. Je pense que ça va très mal se finir.
Oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Wow. Holy fucking shit, dude! Là, on peut faire des trucs débiles genre ça, c'est rigolo. Là, j'ai pas le choix, il faut que je freeze. Mais c'est la merde. C'est de la bite en bois, de la bite en bois. J'ai pas le choix, je dois le freeze. Oh là là, je le sens tellement pas. Il va nous arriver des bricoles. Ça va. Ça, c'est moins chiant. Enfin, c'est un peu chiant. Surtout que je peux pas y aller comme ça. Oh, je suis bloqué à cause de ça. Putain, je voulais mettre là et tirer sur les deux. Parce que là, bah, sinon, je vais prendre le... Je vais perdre l'objectif, quoi. Oh, mais ma bite, quoi, ma bite, son histoire. Ah, putain, qu'est-ce que vous, ce bordel de merde. C'est ma faute, mais bon, ça me saoule. Un, deux, trois, quatre, cinq, je pourrais aller là. Il faut d'abord que je tue celui-là et du coup ça marche pas du tout. Mais est-ce que j'ai le choix? Pas du tout. Donc je suis full baisé. Donc qu'est-ce que je fasse quoi? Fais chier, bordel, putain. J'en ai marre. Et bah évidemment, forcément, 15%. Ouais, c'est ça. Tu sens personne et casse-toi, ouais. Merci, hein. Connard. J'en ai marre. Ah, et on démarre un boss avec deux d'énergie. Hein. Est-ce que ça sent la merde? Oui. Avec tout ça, regardez ça. Oh là là. Quelle emmerde. Double peine standing by. Elle est rigolote quand même, moi je l'aime bien. Bon, passons un peu sérieux, c'est ce qui se passe ici. C'est dangereux. Mais est-ce qu'il fait exploser si jamais il tombe dans la flotte? Hein? Bah on va te faire foutre, j'ai envie de te dire. Génial. Mais on en apprend tous les jours. Moi je pense que les Frozen Titans là. Ça va être rigolo, il va falloir les refaire. C'est cool, c'est vraiment... j'adore ma vie. Bah ouais, mettez des alphas, j'aime les alphas. Putain, en vrai, mais c'est... La team est faible, la team est tellement faible. La team est tellement faible.
Ça se passe pas super bien, parce que même si là on réussit à pas crever derrière un de vie, on est obligé de se retaper une île. Et bah génial. Bah là c'est cool. C'est potentiellement la lose. Parce que lui, il faut que je m'en occupe. Oh non, après il va taper là lui. Non, ça va. Surtout que je peux même le pousser. On s'en fout, enfin on va se mettre là dans le loot, mais on s'en fout. Allez, on libère Nora parce qu'on est sympa. D'accord, electric damage. Ok, c'est comme ça que ça marche. Une game. C'est du poil de cul. Hein. Du poil de cul. Du coup, forcément, le mec il nous dit pas. Félicitations! Comment vous dire que j'en sais rien quoi. Plus un damage ça serait bien. Mais lui plus un damage aussi ça serait bien. Et on manque cruellement de dégâts. Hein. Donc là. 1, 2, plus un dégâts, comme ça on fait 3. Building immune, ça serait très 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 fort. Il nous faudrait plus de vie pour le lancer plus souvent. Donc dans 2. Là on est obligé de réparer quoi. On est full obligé de réparer. Je préfère être safe. Better safe than sorry. Ouais. Et du coup on va se taper une deuxième île. Enfin une autre île encore. Je pense. Ah mais eux j'aime pas là les serpents dégueulasses et puis les... Pff, oh là là, ouais, non, c'est chiant, c'est chiant. On va faire celui-là. Ça a l'air d'être moins chiant. Mais ouais non, Benzaï là... Leader je l'aime pas là, il fout plein d'araignées partout, c'est un cancer. Non, je pense qu'on va aller voir Danny Boone. Ouais, enfin, tu me dirais, plus 1 de vie. Plus 1 de vie, c'est chiant, alors que les explosions, on peut s'en servir. On va tenter là, on s'en fout, de toute façon, pitié, quoi. C'était de la merde, cette partie. Benzaï qui nous dit, ouais, ma bite. Oh putain, non, mais non, mais non, mais vous avez pas le droit de faire ça, ça, c'est juste... Putain, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Destroy the dam. En plus, il est bien placé, le dam. Putain, c'est con, hein. On fera peut-être celle-là à la place de celle-là. 1, 2, 3, 4. On verra, on s'en bat les couilles. Là, on est obligé de faire celui-là et ça me saoule. J'en ai marre. J'en ai marre. Ah, ça fait du bien un peu de verdure. Hein. Parce qu'on a quand même fait la glace. On a fait le désert. Et là, maintenant, c'est déjà illisible. J'arrive pas, au secours. Il y a peut-être un move de génie à faire. Peut-être un move de génie. Moi, je pensais faire ça et lui dire non. Lui le bloquer comme ça, les blocs se cassent pas. Lui, il va taper là-dedans, on s'en fout. Lui, il va me taper pour un dégât là, on s'en fout. En plus, il va même pas me toucher, en fait. Toi, tu dégages, mon pote. Ouais, et comme ça normalement ça devrait pas se détruire les blocs là, et du coup ça protège de ouf. Ok, maintenant ils sont explosifs. Ok, lui je devrais pouvoir le gérer facilement. Pff, lui on s'en fout.
Seul problème, c'est les explosions, quoi. Parce que là, si je le tue derrière, il va casser le cul. Enfin, je peux pas aller taper l'autre. Ah si, je pourrais aller là pour dire de détruire ce gars-là. Et avec lui détruire... Ah bah non, mais je fais que 2 dégâts. Donc il faut que je le freeze, obligatoirement. Ah, quoi que non. For damage. Bah ouais. For damage. Donc on s'en fout. Ah, qu'est-ce que je fais? Je target mes potes en mode ouais, ça va les couilles, ouais. Ça, c'est parfait. Oh, le mur incroyable. Là, c'est un putain de mur. Là, les mecs, ils jouent pas. Je pourrais même faire ça. Du coup, je prendrai un dégât. Est-ce que j'ai vraiment envie de... En vrai, non, parce qu'il n'y en aura qu'un seul à gérer, donc au pire, on se met, on s'en fout, quoi. Là, les fire... Ouais, putain, c'est du génie. Aïe, on se refait. Qu'est-ce donc? Quelles sont ces inepties? Regardez-le, il est beau. Voilà, regardez-le, il était beau. Et puis là, les mecs, ils peuvent juste rien faire, quoi. Genre là, il y a tellement un mur. Un mur qui protège tout. C'est du génie. Oh non, pas un ver de terre. Oh mais non, mais tu vas partir à l'autre bout de la map. Mais ouais, mais voilà, mais tu triches. Tu triches aussi. J'en ai marre de toi. J'en ai marre. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire? Sale ver de mort. Sale ver, t'es mort. Ah, c'est con, j'aurais dû tirer avant. On va reset le turn. L'XP avant tout. Voilà. Ensuite. Voilà. Ensuite. Voilà. Ah bah c'est lui qui gagne l'XP du coup, c'est pas super intéressant, mais... Ah j'aurais dû le faire. Oh non, oh putain, je peux plus reset. Quel con. C'est pas grave, on s'en sort. Merci, Benzaï. Défendre les tanks. Ouais. On a HP les tanks, mais ouais, après ils vont avoir du power et ce sera mieux. Mom, look. Ouais. Un petit pod. Je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce Kinder Surprise. Oh, lui, il a fait de la merde. Ah non, il a pas fait de la merde. Oh, c'est chiant. Oh, il a pas fait de la merde. Mais attends, ils attaquent tous le tank. Mais comment tu veux que je gagne? Déjà, ça démarre avec 4 ennemis. Ils font que m'emmerder. Comment tu veux que je fasse quoi que ce soit? Allô? C'est-à-dire que je suis obligé de me bouffer un dégât, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Petite pue... Je peux même pas aller là pour taper. Cette map, c'est de la merde. Ou alors je le freeze, mais non, ça va servir à que dalle. Si je le freeze. Putain. Si je le freeze, il prend quand même 3 attaques. Enfin, au moins 2. Du coup, ça sert à rien. Là, je peux pas aller là pour taper parce que sinon je détruis ce char là, con de merde. Si je vais là, je peux pas tirer. Si je vais là, je peux pas tirer. Tiens, la double peine, c'est vraiment quelque chose de mal. Ne faites pas ça. Moi, en vrai, je pense que je le freeze derrière. Je chiale. Putain, mais il démarre à 4 en plus, quoi. Merde, et puis 4 connards, hein. C'est vraiment... même pas des mobs sympas, tu vois. C'est même pas genre, ils ont 3 HP.
un genre de HP et qu'ils ils vont se cacher. Je peux aller là, taper celui-là, me décaler là. Il y a moyen de faire des trucs. Bah oui, bien sûr. Et comme il tire dessus, il faut que soit je freeze le tank. Je pense que je vais freezer le tank. Soit je freeze le tank, soit je freeze l'unité. En vrai, on va freeze l'unité. Ouais. Et ben on perd quand même un grid si on n'a pas de chance. 15%. Voilà. Tant pis. Là, c'était la merde quoi qu'il arrive, donc... On va pas reset, même si j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu me mettre là d'abord, avant de tirer. Comme ça aurait fait qu'un seul spawn au lieu de deux, c'est pas grave. Ça m'arrange pas mon grand. C'est vrai qu'ils peuvent faire ça, les petits chats. Les petits chars, char de course. Excusez-moi, je suis libertine, je suis une quête. Ah, ça fait que 1 dégât, c'est de la merde. C'est de la marde. Ça, c'est pas trop mal en vrai. On le tue, après derrière lui, je peux aller lui dire non. Le pouvoir de dire non. Le pouvoir de dire non. Du coup, lui il meurt. Derrière, j'en ai 3 à gérer. On est 4, ça doit le faire. Nice. Tout le monde gagne de l'XP. C'est cool de faire des kills élémentaux parce que tout le monde gagne de l'XP quoi. Oh non, le ver de terre. En fait, les vers de terre ils sont chiants parce que leur attaque est ultra forte et peut aller très très loin. Mais en fait, si on les touche une fois, ils se foutent dans le sol et ils attaquent plus. L'attaque est cancel. Attends, lol. Non, faut que je reset. Oh non, en fait, c'est même pas ça. Non, j'ai de la merde. Et lui, je peux pas l'empêcher de faire ça. Ouais. Vex, I've been partially sanitized. Seulement un petit peu. Et on a un pod. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kinder Sur... Ouh, ça m'a l'air bien. Oh, ça push tout le monde. Ah ouais. Ah mais on va le revendre. J'aime pas la défense de train, il va y avoir putain de 5 ennemis dès le départ, quoi. Vous êtes sérieux, bordel de mort. Je pense qu'on va lui donner à lui et qu'on va lui donner 2 de vie, comme ça on pourra se servir enfin du tir sans... Ça peut être tellement fort. Oh, ça increase le damage to self. Ouais, c'est un peu chiant ça. Il pourrait tellement avoir 7 de vie, 6 de move. Hein.
Ouais, mais il faudrait une nouvelle arme. Non, mais on, pour le moment, on s'en fout de mettre ça, mais... À terme, il lui faudrait une nouvelle arme. On va tenter, de toute façon, mais j'aime pas les trains. Je... Putain, ça démarre déjà avec un... Oh, ça va pas me plaire. Cette partie, je crois que ça va pas me plaire. On s'en fout, là, hier. S'il vise pas le train, c'est parfait. Ah non, le train, s'il se prend un truc, je crois qu'il meurt. Je crois qu'il y a une collision et que du coup, il... Ouais, il prend des dégâts. Pire train ever. Ah, je pourrais push. Hein. Là, lui, il peut survivre facilement à ce gars-là parce que... Je freeze une connerie quelque part et c'est bon. Là j'aurais bien voulu aller là et taper quoi. Est-ce que je peux pas est-ce que ça peut ne pas m'aider le fait d'avoir des explosions un peu partout? Là ça fera un dégât donc lui il va se retirer. Je pense que c'est ça le bon move. C'est de faire genre... Oulala. Voilà comme ça il meurt. Lui il va se cacher parce qu'il est pas beau. Derrière lui, est-ce que je peux le mettre à un endroit où il pourrait tirer sans casser les couilles de tout le monde? J'ai l'impression. Lui pourrait se mettre là, lui pourrait se mettre là. Je fume. Et là on s'en fout juste. Comme ça voilà, ça fait un dégât. Au final on se retrouve avec deux unités seulement à gérer. Bon, c'était un beau tour. En vrai... En vrai, c'est un beau tour. Il me casse déjà les couilles. Ok, il y a moyen de gérer quelque chose. Il y a moyen de gérer quelque chose. Je pense qu'on est bien. Là lui s'il va être à moitié bloqué du coup il vaut mieux faire ça plutôt que d'aller dessus je pense. Je pense. Je suis pas sûr. Mais on s'en sort plutôt pas mal hein, pour un truc qui commençait vraiment de manière dégueulasse. C'est pas mal. Hein. Ça veut dire qu'on était à 1 d'énergie à un moment. En full PLS, oh, t'es mort, merci. Qu'est-ce que t'es de ce côté? Bah t'es mort, voilà, merci. Et puis voilà. Eh, hey, je peux ice le train. En vrai, je sais même pas si ça marche. Genre, tu le ice. Est-ce qu'il bouge encore? J'ai bien envie de tester, mais... Deux. Si je me foire, c'est tellement de la vie. Lol. T'es ice, mais je te re-ice. Ok, c'est vraiment bien passé. Thank you for the Titan saved us. Everybody alright? Alright, alright. Everybody's alright. 5, 6, 7, on peut être à 7, on pourrait remonter de 1. Air support. Ou alors on reste à 6. Ça c'est pas mal, ça on peut le faire facilement, le volatile vec. Protect the power generator. Air support. Ça c'est facile. En général quand il y a le air support, ça casse des gueules. Mais là, destroy the dam, en vrai... On va faire celui-là. Destroy the dam s'il y a pas mal de terrestres qui sont... Ah, c'est la pire map pour cette unité. Hein. Putain, la double peinée, c'est douloureux. Un petit pod. Bon, par contre, il est en plein milieu de là où le barrage ferait le taf. C'est un peu chiant, mais... Et ça, il fait des dégâts en plus sur son allié.
Ah, j'aurais pu les placer avant, j'étais con. C'est pas trop grave, on s'en fout. On a plus ma vie par contre, faudra faire attention. Ah oui, il faut pas que je prenne plus de 3 de dégâts. Oh, j'avais oublié ce petit détail. Il crèverait de ça. Voilà, c'est pas mal. S'il y a pas mal d'unités terrestres, là on est bien. Ok. J'aurais pas pu avoir 2 unités terrestres. Vous êtes sérieux? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? On s'en fout à moitié en vrai. Oui, je peux le tuer facilement. Ah oh, bah je peux même le tuer là. Mech submerge. Ah c'est chiant ça. Je peux pas le décaler sinon il va taper là. Je peux plus vraiment bloquer les trucs parce que si je faisais seulement un dégât de plus, je suis baisé. Du coup là, lui je peux l'empêcher. Lui je peux le tuer et après me décaler et du coup cancel les dégâts, mais après il va sauver son pote, hein. Ça me répugne. Ah non, il pourrait tuer un autre gars. Ah mais je prendrais un dégât. Faut less. Non, c'est absolument less. Mais là, si lui, je fais ce repair. Comme ça, il tue ce gars-là. Ah, il tape avant. Non, il tape avant. Non, il tape avant. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? J'aurais dû vérifier quoi. J'étais un petit peu con. Et là si je le détruis bah... au secours. Faut que je le kill. On va partir là-dessus. Ils sont que 4. Oh bah lui il va servir à rien. Il va m'attaquer mais il peut pas attaquer cette unité là, il me semble. Voilà, il peut pas l'attaquer. Donc merci à toi. Merci pour ta prestation. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ah par contre ouais non. Ah non, il y a un truc qui est chiant. Il y a un truc qui est très chiant. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. LOL. Faut les décaler quelque part à un moment. Bon, là, si je tue celui-là. Non, c'est toujours lui qui va attaquer en premier. Donc, ouais, non, c'est de la merde. C'est de la merde. Merde. C'est de la merde. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Si je le tue, il va y faire exploser là et sur ma gueule. Ma gueule, ce sera pas trop un problème, mais. Ah, et merde, je peux même pas save Nora avant. Oh la bite, c'est vraiment le pire placement ever du mob là. Les tuer sert à rien. Lui, je peux rien faire. Parce qu'il faudrait qu'il meure. S'il meurt, je peux tuer celui-là. Ou celui-là, enfin, peu importe, mais je peux faire des trucs. Mais a priori, je suis baisé. C'est chiant. C'est chiant.
Elle peut rien faire à part ça. Et lui, il peut rien faire. Tout court. Fait chier. Attendez, je regarde un truc vite fait. Non, ok. Ouais, ben c'est la merde. C'est la merde noire. C'est la merde noire. Il y a rien d'autre que j'aurais pu faire, 15% de chance. Putain, on perd tellement à chaque fois sur les dernières missions. Oh là 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 là. Oh, Camilla qui nous dit cassez-vous. Putain, c'est vraiment terrible quoi. Petit pod. Oh, le petit shield. Ça se revend, ça se revend. Petit reaction core. Allez. Mais nous, le salaud de ses morts. En vrai, ça serait pas mal, hein, lui donner ça à la place. Parce que ça nous sert plus à rien. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? C'est vrai que là, il n'y a plus de... Donc lui, ouais, je lui mets ça. Bam. Comme ça, il peut servir deux fois d'un shield au lieu de faire sa double peine nulle. Range Brute Prime, ok. Ouais, non, je pense qu'on va faire ça. Mais qu'ai-je donc fait? Mais qu'ai-je donc fait? Pourquoi n'arrive qu'à... Je sais pas où... à qui donner quoi. Lui en vrai un peu plus de vie, mais le move ça serait pas mal aussi. Hein. Le move ça serait pas mal aussi, surtout que maintenant il a le shield. Hein. Je pense qu'on va lui mettre. On va lui donner. Ah oh, putain, c'est l'enfer de ses morts avec les putains d'araignées de. Kia ! Les araignées de mort. Putain, ça va être chaud, hein. 3. 3 de vie. On n'a pas le. Oui. Bon, bonsoir téléphone. Ah, il est midi. On fait ça et après on se quitte. Hein. Enfin, je veux dire, on se quitte. C'est pas. Hein? On est d'accord. C'est pas. Attendez, on va échanger ces deux-là. Je dis on se quitte, mais bien évidemment, je resterai toujours auprès de vous. Dans vos petits cœurs. Quel que soit. Petites araignées de mort. Je le déteste déjà. Je pense que c'est le meilleur move. I got a feeling. Woohoo. Tonight's gonna be a good night. Ok, lui il faudrait le bouger quand même. Là, lui, il va mourir, ça me permet de faire 1, 2, 3, 4, 5, tuer celle-là. Il faut que je tue cette merde. Soit je fais ça, soit je freeze le tout. Genre, je vais là, je freeze celui-là. Mais ça m'arrange pas plus que ça. Rain down a dream. Parce que là je vais prendre 2 de dégâts 100%, enfin genre. Et on peut pas se permettre. Là il faut. C'est vraiment le moment où il faut réfléchir parce que on peut pas. Là c'est. Ça va être la merde. Ça va être vraiment la merde. Un HP sur une map avec ce mob là qui crée plein de petites araignées. Jusqu'à 3 par tour.
C'est pas terrible. Ah mais je peux shield. C'est vrai qu'il y a ça maintenant. Je peux shield, donc je peux shield ce truc. Si je shield, il fait pas de dégâts. Putain mais on va avoir 4 spawns, hein. C'est vraiment de la merde ce mob. Déjà je pense qu'on est obligé de faire ça, histoire de se débarrasser de deux trucs. Là pour le bien il faudrait que j'aille là et que je tue celui-là. Je vais me redéplacer pour empêcher un spawn. Et là go protéger et puis tant pis quoi. J'ai pas masse choix en fait. Là je réponds à quelqu'un. Il faudrait deux tours pour le tuer, deux tours de mon mec. Ça me va. Ça c'est plus chiant. Et ça aussi c'est chiant. Putain mais c'est vraiment de la merde ce mob. Je déteste ce mob. Bon déjà ça, 100%. Meilleur move. Ensuite. Putain mais cette petite araignée de... Si je fais ça, elle va taper derrière. Ah lui, il peut pas aller là. Ah, il a que 3, il aurait eu 4, il aurait pu être là et puis taper, quoi. Ma vie, c'est de la merde. Mais sinon, je la freeze. Ça, c'est un bon move. Je la freeze. Comme ça, derrière... Ouais, je la freeze comme ça derrière, elle est à moitié useless. Je sais pas, de toute façon celle-là c'est chiant. Je pense que la spider leader ça va être compliqué de la tuer quoi, alors qu'il faut normalement il faut la tuer premier tour, tout foutre dessus quoi. Parce que les spawns, enfin là il va y avoir 3 spawns à la place de un seul. C'est fou chiant quoi. Ah, deux spawns, oui, c'est vrai que je bloquais. Mais bon, avec un peu de feu partout, c'est pas mal. Oh, quel casse-couille. Ouais, tape l'araignée de merde, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Oh là là, quel... L'habitant en bois. C'est l'habitant en bois. Oh, c'est chiant, putain, il n'y aurait pas eu ça. Fuck. Là je fais ça. Et si je fais ça c'est cool mais derrière, lui il va pas crever. Il y a lui. Il faudrait que je fasse ça mais si je fais ça je perds un de shield. Oh c'est de la bite. Elle peut rien faire à part faire ça. Pauvre Nora qui constamment... Parce que là c'est perdu en fait. Genre si j'empêche pas lui et lui de taper, c'est perdu. Du coup bientôt à la rigueur faudrait que je fasse ça pour faire un dégât. Et ensuite gérer. Ah je sais que ça paraît... C'est périlleux. Ne faites pas ça chez vous. Lui, si je le laisse taper, il va crever le tour d'après. Il faut que je tape absolument. Absolument cette merde. Faut que je le tue en fait. Si je le tue pas... Et là, on se retrouve encore... Là, il y en a un qui est resté en vie, un à 1 HP. Le boss a tapé obligatoirement avec lui. Ou faire lui, mais dans un mur. Et on va avoir deux petits. Hein. C'est vraiment l'enfer, ce boss. Genre... Pire boss. Puis en plus, voilà, oui, c'est vrai qu'il libère l'araignée. Putain, c'est un alpha.
Il fait spawn un alpha. Lui il va mourir. C'est full OP cette merde. C'est tellement full OP. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Puis là je peux même pas faire ça alors que ça serait du génie. Ou alors je vais là et je freeze ça. Pour dire de prendre le coup, mais là-bas je vais prendre un dégât nul et je vais crever. Génial. Ben, je suis deg. Je suis vraiment... Là, je suis deg. Parce qu'on va la perdre. Là, on la perd. C'est la première fois que je perds une game, mais on va la perdre. Parce que je peux pas. Je peux pas. La petite araignée qui est là-bas, elle est toute seule, elle vient de me baiser la game. Voilà. Parce que juste, elle a spawn à l'autre bout de la map. Donc, cool. Cool. Ou alors, je m'en fous de faire ça. Je protège là. Je freeze là-bas. Il y a peut-être un move à faire. Ah ouais, non, pas là. Tu te mets là. Tu fais ça. Comme ça, là, tu peux subir un de dégâts par ça. Lui, il va crever, donc on s'en fout. Ça va pas subir de dégâts. Là, je freeze celle-là. Et lui, je le retourne. Comme ça, il m'attaque plus. Enfin, il est plus dessus. Je crois qu'on s'en sort. Il meurt. Lui derrière, il va taper dans le shield. Et après, il n'y en a plus aucun qui cible un bâtiment, donc on survit. Putain, non mais... Terrible. Ouh, et ben putain, pour une dernière mission avant de se quitter, c'était une dernière mission. Bon, après, ouais, bah voilà, j'ai pas tué le spider, mais en même temps, c'était ça ou perdre la game, donc à un moment, me casse pas les couilles, Banzai. Ça c'est rigolo, mais non. Ça c'était rigolo, mais non. Light the target on fire and push. D'accord. Avec take plus 1 ml from bombs and blocking emerging. Oh, ça c'est pas mal aussi. A small tank to help in combat. Ouais, mais non. Attends, on a 10 de rep. Mais on va devoir en dépenser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à max 6 pour rien de... Building immune, ça serait bien. Ça coûte 2, ça me ferait 6. 6, c'est cher. Lui, un move, ça serait bien. Là, on pourrait faire genre booster un peu un move. Je vais revérifier les armes. Il y a peut-être une arme qui peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Vu que les bumps, j'en fais quand même pas mal. Hein. Si je le mets à lui. Non, lui, il a le shield. Ou alors, il faudrait que je mette le shield sur quelqu'un d'autre. Mais non. On s'en fout. On s'en fout. C'est lui qui doit le prendre. Donc là, je lui mets un là. Et un là. Et après, je dépense le reste. Ça me fait 4. On va voir. Là, je lui mets. Voilà. Je le power. Et ouais. Et derrière, il me reste 6. Soit je prends 2 corps, soit je me mets full life. Ce qui serait pas une mauvaise chose parce que là, c'est la merde. Je pense qu'on va se mettre full life. D'ailleurs, on n'a pas eu masse. Enfin, on a elle, mais. Okay, c'est une bonne chose d'ailleurs qu'elle ait ce truc-là. Oh, bientôt level up. Pas mal. Anora qui a bientôt passé niveau 2. En même temps, c'est compliqué quand on fait pas de dégâts de passer des niveaux. Voilà, comme ça on est full. On est full. Parce que si, enfin là, on peut pas se permettre. Je pense qu'on va tenter de faire le 4. Je sais pas. Ouais, on verra bien. En fonction de mon humeur, quand on reprendra. Du coup. Ouais.
Je vous dis à la prochaine. Attendez, on va vérifier déjà vite fait les. Non. Non. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, il faut faire ça, le trick shot. On va y penser. Hein. On va y penser, surtout qu'on va avoir de l'acide si on continue. On verra bien. On verra bien. Mais on avance dans le jeu, hein. On avance dans le jeu. Ouais. On verra bien. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et voilà, des bisous.